qui ne sont autres que la formation de la jeunesse congolaise et l'envie attitude de profonde humilité de demander à Dieu de protéger les enseignants et la jeunesse congolaise, aussi d'éclairer tous les dirigeants du pays d'avoir l'œil centré sur la formation de nos petits remplaçants et penser à la création d'emplois pour cette génération. Cette conférence organisée à la veille de la fête de l'enseignement avait comme thème répétitif la jeunesse congolaise face au développement et le système éducatif à l'ère du Congo s'inscrit dans le cadre de fête de conscience de la jeunesse congolaise et d'interpeller les dirigeants du pays à cesser de penser à la vie au quotidien, car la République démocratique du Congo n'est pas limitée qu'à notre existence. Que l'Éternel Dieu bénisse les fils des filles congolais, plus particulièrement la jeunesse. Nous vous souhaitons bonne audition de notre conférence. Nous vous remercions. Pour la première intervention qui ne durera que 40 minutes. Nous pouvons applaudir. Je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là. Et c'est un parcours de bonheur comme il y a deux jours pour moi, je suis le président ici de l'entreprise qui est coopération. Qui est coopération, qui est la représentation du groupe de l'hôpital Apollo Hospitals. C'est la plus grande chaîne de l'hôpital qui se trouve moi-même, qui va avoir le cas 76 de l'hôpital. Un groupe est marqué par contre dans le pays qui est là, et faisons la représentation en fonction. Nous avons un débat avec le Kassara, un débat avec le Machi. Et c'est là que nous avons lancé le groupe de Colombie et c'est le Congo. Notre travail, c'est faciliter l'accès aux soins spécialisés à nos compatriotes congolais et africains en général. Aujourd'hui, j'ai été honoré par le professeur Benjamin pour intervenir sur la gestion de l'espace de développement. Et c'est on a réprogrammé notre cerveau pour faire cette grande différence qui existe entre celui qui est riche. Et c'est lui qui a voulu la porte. Voilà pourquoi j'ai appelé souvent le Congo. Nous avons beaucoup de gens qui sont pauvres, mais qui ont beaucoup d'argent. Ce sont des gens qui ont beaucoup d'argent, mais en réalité, ils sont pauvres. Et dans mon histoire, dans la maison, ce n'est pas que j'ai vu. On a créé cette différence entre l'argent et la richesse. Parce que ce qui nous intéresse, c'est un jeune, pour être conscient, à se focaliser à la création de richesses et non à l'argent. Pourquoi? Parce que l'argent, c'est un produit dérivé, un produit dérivé. C'est-à-dire, l'argent a le produit après avoir fait quelque chose. L'argent, en quelque sorte, c'est les résultats de quelque chose. C'est la richesse qui produit l'argent. Ici, par la notion de l'argent, comme un moyen d'échange. L'argent, c'est vraiment un moyen d'échange accepté par une société pour acheter le bien et le service. À l'époque, dans l'histoire de l'évolution, à l'époque, les gens faisaient des offres, ils échangeaient quelqu'un à du sel, l'autre à peut-être du sucre, et ils faisaient des offres. Vous me donnez du sucre, moi je vous donne du sel. Et après, beaucoup de gens ont ajouté à la même époque, ils ont créé des monnaies. Ça a commencé par des pièces pour échanger les valeurs. Après, ça m'est arrivé de voir, moi j'ai besoin de suivre, mais vous n'avez pas besoin du sel. Qu'est-ce qu'on fait? Ils ont créé des pièces intermédiaires qui permettent à une personne d'échanger les valeurs. C'est ça l'argent. Ça a commencé par le métal, c'est ce que nous avons le plus grand. Donc, l'argent, ce n'est pas la richesse. Ça, vous pouvez le dire. Maintenant, c'est quoi la richesse?
avec les conditions. La richesse de cette étoile est vue comme l'ensemble des choses, des valeurs ou des biens qui génèrent le revenu, c'est-à-dire l'argent, qui génèrent de l'argent, et qui augmente en valeur au fil du temps, c'est-à-dire des biens de choses qui ont de la valeur et qui produisent de l'argent. Et qui augmente en valeur au vu du temps. Cela inclut les investissements, ça inclut les actifs, ça inclut les produits ou services, aussi les entreprises. C'est ça la valeur. Comment calculer qu'un pays est riche par son, si sa production est réelle, par rapport à sa production est réelle brute. Pourquoi nous ne sommes pas riches? Parce que nous ne produisons pas. Voilà pourquoi j'ai dit qu'au Congo, nous avons des gens pauvres avec pauvres. Si ces gens que nous pensons ils sont riches, normalement ils devaient être détenteurs d'entreprises. Ils devaient être en train de produire. Comme ils ne produisent pas, ils ne sont pas catégorisés dans les riches. C'est juste les pauvres avec beaucoup d'argent. C'est la maman qui est la plus riche. Pourquoi? Parce qu'elle a l'unité de production, il y a la maman qui est ici. On est aussi en prenant des risques financiers dans l'espoir de réaliser un coût. Quand vous prenez des risques, votre but c'est de réaliser le coût. Des entrepreneurs souvent innovants, créatifs, visionnaires, cherchant à résoudre des problèmes ou à répondre à des besoins financiers par le bail des produits ou des services que nous avons dans les marchés. Ce sont des innovateurs, ce sont des visionnaires. Il faut savoir qu'à un moment, il y a un peu de temps, on a un peu de temps, il y a un visionnaire, il y a un créateur. Et il cherche à résoudre un problème. Ça, c'est un problème qui nous donne. Pourquoi? Parce que nous, le Congolais, nous avons l'habitude de fuir les problèmes. Mais comment avoir beaucoup de problèmes? Et tout simplement, à nous tous, nous cherchons à fuir. Voilà pourquoi nous faisons les développés. Nous sommes tombés dans la développée. Moi, je dis, faut qu'il y ait un problème. Mais si on parle, l'entrepreneur cherche quoi à résoudre les problèmes. Ça veut dire que quoi, le cas là, à d'avoir un problème, pour que sa solution vienne en vous. La vision de la philosophie, la vision de la pensée, la vision de la parole, comme ça, dit. La famille de 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 la famille vous pouvez des bénéfices publics de la famille 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 la paye à 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 la. Si vous avez des ambitions de dirige, ne pensez pas à aller en dehors. Pensez à trouver des problèmes ici et à les résoudre. On paiera à celui qui trouvera
solution et il aura la salarié. En tout cas. Selon qui, autant de temps que sa solution, il a travaillé tout à l'heure. Autant de missiles sera, la parole est un jour. Tout à l'heure, peut-être qu'il y a un là, il y a un jour. Si on vous casse, il y a un courage là. C'est ça qu'on a tout à l'heure. En tout cas, on a tout à l'heure. Pourquoi? Parce que porter les alibis, on parle aujourd'hui. Et votre capacité de gagner de l'argent dépend de votre capacité à trouver des solutions. Entrepreneur, vous savez par l'organisation. Solution là, ni le revenu. La place haute, la roussa là, ni l'entrepreneur, parce que la roussa là, mais quand c'est le cas, c'est une chose. Pourquoi? Il va réfléchir aux enjeux au cas, voilà, et pas seulement avoir une solution, mais moi, la place est belle. Si vous résolvez les problèmes de 100 personnes, 100 personnes, vous faites quoi? Vous payez. Donc, si vous faites réfléchir, il est bon, vous devez se porter à 1000 personnes, il y a 1000 personnes au salut, à vos fouilles. Sauf qu'il va trouver ce qu'on a résolu, trouver ce chemin à 1 million de personnes. Ça veut dire que 1 million de personnes ont salué. Ça va tout d'abord. Si vous voulez voir une âge à Congo, il y a un peu de 100 millions d'habitants. 100 millions d'habitants, ça veut juste dire que 100 millions de clients potentiels. 100 millions de clients potentiels. La domaine de l'Union, c'est pour ça que vous avez un peu de et puis la paix est ce qui est la suite, exemple bon. Je suis 100 millions d'habitants, je suis à 60 millions de personnes par chaque jour. Elle va aller à chaque jour. Chaque jour, vous avez besoin d'un rabat, vous avez besoin de sucre, vous avez besoin de café pour tout le monde. Si les 100 millions d'habitants, ceux qui ont envie, 60 millions d'années qu'on va parler sur le chat du monde. Et il y a au point de l'hôpital, comment ça va là? Mais on s'en va par là, on a un million de personnes. Tu es le qui? Il est le même. Et là, c'est un bon avis. Tu as dit pendant 1 dollar, on doit dire qu'on a 1 million de personnes, on s'en va vivre dans un jour, tu es bien. C'est un bon avis. Mais, on va voir la visite des armes. Là, il parle. Il est à Congolais. Il parle à maman Poto. Est-ce qu'il est à Congolais? Il est à Valais. Il parle à maman Poto. Il parle à maman Poto. Il est à Valais. Il parle à Congolais. Il parle à Indien. Pourquoi maman va indiquer place et voir à la problème? Il se voit comme ça, il est toujours. Il parle de la vie, facile. Donc, qui va aider à Dieu? Il parle à Dieu. Puis les années à venir, sur les 500 aéroports de Tonga, un Congolais peut aussi investir dans la cinquième voie. La même chose dans la cinquième dimension. On n'a pas de problème. On n'a pas d'autre chose. Les années là, ils peuvent investir. Les Indiens, ils ont compris. Les Indiens, ils ont compris. Alors, on va passer aux Indiens. Vous avez cité qu'on va un pied là-bas, on lui donne beaucoup de conditions pour que le Congolais ne sait pas, mais il n'a pas rempli. Vous voyez ce qu'il prend, il a directement la chance de jouer. Pourquoi? Parce qu'on lui donne un temps très limité et pour que le Congolais a payé. Mais si elle est bien, là, ça, on va lui donner du crédit. On lui donne du crédit sans beaucoup de conditions. Ça permet que les Indiens, produisent plus d'argent. Parce que nous, les gens, et il n'y a pas de Congolais qui se lève, qui se dit, mais tout le monde s'en va, c'est un autre. C'est bien financier pour que nous. Son nom, c'est un bon mot, un bon sérieux, et nous, on a un bon, c'est un bon, c'est un bon, la même vie, la même pays, tu payes la transaction autour de 2%. Ça, il n'y a pas de problème, ça n'a pas de problème. Nous avons tous le terrain, sur la soirée, on a tout le temps des outils. C'est un peu là-bas, on va faire ça. La vie, nous avons. Par 10 millions, ça a été fait de 60 millions.
Et nous, on va dire qu'il va pas être. Écoutez la Bible, souvent écoutez la Bible, écoutez la Bible, tout cela. Mais par contre, ce que nous avons la salle pour nous, tout ça, c'est pour les enfants. C'était juste pour dire combien que nous, jeunes, on a la facilité de créer de l'argent et de créer de l'argent. Et dès que l'argent, un entrepreneur ne peut pas aider à l'argent, un entrepreneur les opportunités et il cherche des problèmes avec moi à résoudre. Le problème de beaucoup de gens, beaucoup de gens le paient. Quand il y a de l'argent, il faut savoir avec quoi faire cet argent, avec cet argent, en créant plus d'opportunités. Chaque entreprise, tout ça, là, ils ont permis de faire ça à ça. Parce que dans le dos, on a là, pas de problème. Mais ceux qui ont entrepris à donner des gros pour ça à la vidéo, pour réélever le niveau de vie là-bas. On a un salaire, on a un on peut savoir un salaire. Et on s'en a dit, on a un mot en charge. Et puis, quand vous avez un mal, on a un mot en plutôt des plus grands pays, c'est le nom. Nous. Et le Canada non plus l'État. Mais avant de commencer, je vous avais annoncé. Il y avait les représentants des ministres. Parce que ici nous avons l'activité à l'occasion de la fête de l'enseignement. Alors, les ministres sont représentés à travers. Nous pouvons applaudir. Merci beaucoup. Nous avons le chef du personnel qui représente le sous-préfet que nous allons demander de faire. Merci beaucoup. Et sans plus tarder, nous allons commencer. Des sous-emplois pour la jeunesse congolaise. Quatrième, la qualité de l'enseignement primaire en République démocratique du Congo. Et quel effectif? Quel est son impact pour payer? 5. Quels sont les critères de choix d'un animateur pédagogique pour l'éducateur du système éducatif en République démocratique? 6. Et qui payait que l'éducateur éducatif est financièrement impolitique? 7. Niveau de vie de la pédagogie. Quel effectif faire? Au sujet de la guerre d'agression à l'est du pays. Et enfin, oui, quelle peut être la vision générale pour le bien-être de notre système éducatif? Voilà, nous allons répondre rapidement à ces 8 questions. Nous commençons par la question du moment. Pour la dégradation de notre système éducatif. Actuellement, l'année de 2020 s'arrête comparativement aux objectifs. L'année 10 est digérée, la population, malheureusement, les chansons obtiennent, avaient conduit à la destruction de l'éducation nationale. Pas de travail. Nous allons vous appeler à une autre ligne qui va être au moment enseignement à Congo. Et quand la question peut évoquer l'idée. Parce que si vous êtes l'idée qui est éditée, l'idée jeunesse. Mais le nom total, c'est tout ce qui est dans la moto, qui peut être trouvé à tout moment.
Et d'aller côté à l'isolant, oui, pas gêne, ok, pas magnifique. Mais plus que nous soyons épanouis, la folie va bien. Deuxième élément de réponse à cette question, l'idéal. Prenons l'idéal que nous avons à l'époque, qui produisait des nerfs éducatifs. Actuellement, la jeunesse congolaise fait redéfinir l'idéal. Dans mon mémoire autour des catholiques, il y a un mot qui a été créé à la déchet. Surtout dans l'amour, surtout dans l'éducation. Surtout dans la liberté. Mais maintenant, il y a une vidéo de l'école dans la chaîne A et les villes. C'est très grave. Surtout dans la vie, moi, ma mère a répété que l'autre pays. Donc, ce sont les bases de la destruction, mais pas de la dégradation du système éducatif en République démocratique du Congo. Les réseaux sociaux. En lieu et place de la recherche sociale. Alors que, souvent chrétien, comme vous êtes pour un mouvement téléphone, il est dans la recherche. Vous le voyez dans Google, en termes de recherche, et autres. Je dis, pour moi, faites-vous. Mon damier est lui-même. Il n'arrive plus à éviter le pouvoir, faute de moyens. Oui, tout le monde a l'entrepreneur, a retrouvé une solution pour moi, créer un emploi. Mais, vous voyez, un enseignant par exemple, un qui écrit son livre, parce que certains mènent à des aux parents et résoudre les problèmes sociaux de leurs enfants. La situation impérative qui nuit au pays peut stabiliser la vie des parents et les gens dans des secteurs privés. Comme par exemple les lots, l'État a proposé à leurs parents à l'aide. Les parents sont sous la panne parce que le moment de la place la d'art, alliété, on va passer par an dans toute la qualité, par an la vie fonctionnelle. Moi, ma maman, on n'a pas de quoi de la maman. Donc, c'est aussi limité pour la dégradation, n'est-ce pas? Il s'y fait des cabines en République démocratique du Congo. Dans les secteurs privés, nous voyons des moi, quelque chose comme les appels ça. Ah, les gars, même si vous avez des compétences, 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 on a dit, pas d'un mot pour le bras de l'envolée, pour l'avocat. Premièrement, sous l'occupation de la jeunesse. L'État congolais devrait penser à la création d'emplois pour les individus. Les pays promis, plus de diplômes sans entrer au marché d'emploi. Pour les pays contre la nation, pareil. Attention, par exemple. Et puis, l'enseignement, papa, pourquoi ça, la salle, 24 heures de service. Moi, la copie de l'eau, ça a l'air, mon corps. Ce n'est pas normal. Les appels à des enfants, ça n'est pas normal. Question numéro 3. Quelles sont les conséquences des choses en place pour la jeunesse dans le monde, vous allez vous dire que ça va devenir mais tout en moi, ça va tout en fait. Donc ça, l'état des choses. Les taux croissants de la délinquance juvénile, comme on a, par la communauté, il y a des grâces, 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 il y a des
Mais il y a une chose à tout occuper. La mendicité accentuée. Par la volonté de la Sénat. Avant la délité à l'ennemi, à l'ennemi. Avant la tout pour moi, l'ennemi, au grand-père. Avant la volonté, au volé. Pourquoi? Parce que maintenant, à l'année, tout en vrai, tout est comme ça. Si à vous la donner, donc, il y a Éphésiens chapitre 1, verset 2. À Camille, à moi, à mémoriser, à combien de pasteur, quoi la nuit, à la Bouléa. C'est grave. Et ça, je vous la qualité de l'enseignement primaire à République démocratique du Congo était effective. Quel est son impact pour vous? Conformément à l'article 43 de la Constitution, à revenir de la loi fondamentale, la qualité de l'enseignement primaire est effective. En plus, elle est là pour qu'il permette des enfants de plus de vie. Seulement, il faut maximiser le mérite d'engagement pour accroître la qualité de cet enseignement. Oui, nous avons être. Qualité d'enseignement de l'école primaire, il a dit à tout le monde. Oui, c'est la loi. Il a dit à tout le monde à la primaire avec parté. Mais je regarde à l'État, ça va en casse. À bon gradé, qualité. Parce que tout le monde va mettre des abondés pour les chrétiens qui deviennent éducatifs dans les pays démocratiques du Congo. On a posé là. Mon conduit dans cette terre d'enseignement. D'été, directeur de cette ville, préfet de cette ville, tout prophète, tout prophète. Pendant que nous avons, et quelqu'un qui nous a donné, il dit, mais quand on va nous donner confiance, il faut nous faire la confiance. Comment ce que nous avons une confiance, avant de faire cette terre éducative, c'est que la compétence. Deuxièmement, l'expérience. On a vu l'expérience. On va dire, on peut pas dire, Les moins boudés sont les pays environnants. Il faut d'ailleurs un pays agressé.
Alors, imaginons là la suite. Elle n'a pas le pour la guerre, il y a un mot. Pas de voilà, non, la guerre, pour la guerre, la vie. Pas de cas, la guerre, la vie. Entre-temps, on va le faire dans ma vie. Alors, les choses sont de taille à la vie. Bon, je n'ai pas de. Je vais les créer. Et puis, nous avons envie de prévoir la projection. Moi, on a déjà beaucoup ça. Là, il y a des problèmes. Ni quoi, il y a pas d'accord. Tout le monde a vu. Dès qu'il y a un enseignant, il y a pas d'accord. Mais par exemple, les gens ont fait un peu. Je vous le fais en même temps. Voilà, merci. Voilà les gens. L'important, c'est l'enseignant. Nous avons. Niveau. Et ici nous avons le préféré d'origine. À l'époque, n'est-ce pas, vers, par exemple, 1994, les enfants avaient des niveaux. Vous allez beaucoup ça. Permettez, vous avez des niveaux comme ça. Va créer pour la terre, va créer pour les gens, va créer pour les gens, la question numéro 8. Quelle est la vision générale pour le bien-être de l'identité de la vie à l'esprit de la vie? Comment? Voilà la dernière question. Quelle peut être la vision générale pour le bien-être du système éducatif à l'esprit de la vie? Il faut l'implication de chacun des convoités, c'est-à-dire 1. Chacun doit avoir l'amour de la patrie. Tolira Boga. 2. Le pouvoir public à l'éducation de mettre fin à l'inégalité sociale auprès de la classe enseignante dans des conditions sociales rigides. Pouvoir public, l'État enseignant va construire à bien. À travers sa vie, peut produire des situations de la vie au le pouvoir public doit soutenir l'enseignant et la zone de l'éducation. Enseignant à leur regard, soit à l'aide. Et l'enseigné, afin que la vie de ça, produit faire des la volée à vivre. Quand on vient vivre, à prédire, à ce que l'on a beaucoup. Alors, ces zones de l'éducation, peut vous permettre d'aider à faire ça, madame. 3. Multiplier des établissements scolaires sur les établis et territoires nationaux. Il faut multiplier. Ça fait deux fois que nous avons déjà gravité. Avec la gravité, n'est-ce pas? Il faut multiplier les corps pour pas avoir la santé à l'aide. Ça, on en avait déjà parlé. Voilà. Pensez à la création d'emplois en train d'occuper les jeunes diplômés. Voilà. Tous devront opter à l'exigence de la dépolitisation du système éducatif sur les plans affectation, engagement, promotion, les effets en train de permettre l'autorité administrative compétente de placer au centre des de concentrer notre énergie pour réfléchir sur la réalité du projet de l'humain. Total à l'égalité, total à l'environnement. L'autre projet de l'humain est dit, ce n'est pas le plus mal, pas le plus mal, pour le plus mal.
Chacun dans son coin doit militer pour la conservation des effets de génie qui de plus en plus s'exposent à la dispersion, non limitant les conditions sociales au pays. À comprendre la République démocratique du Congo. Je vous souhaite tous de rentrer de l'enseignement. Les réunions pour une nationale. Nous sommes venus à la conférence comme thème système éducatif pour le développement du pays. Je ne sais pas, quel est votre avis ou votre message clé par rapport à ce message? Premièrement, nous devons consacrer beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie pour l'encadrement de la jeunesse congolaise. Et puis deuxièmement, l'État doit aussi chercher à créer l'emploi parce que les pays produisent beaucoup de diplômes, mais ces diplômés ne sont pas occupés. Nous devons occuper pour éviter certains phénomènes que nous avons, par exemple, la délinquance juvénile, la mendicité de la vie. Et puis l'escroquerie, on parle de réalité, de quoi? Plusieurs au féminin qui se multiplient, il y a des églises qui se multiplient. Mais c'est comme si vous avez un peu des inquiétudes par rapport à votre manière d'être payé. Parce que vous l'avez souligné tout à l'heure dans votre conférence. Oui, par rapport. C'est comme si vous êtes négligé. Par rapport au paiement, en tout cas, l'État doit fournir beaucoup d'efforts, n'est-ce pas, pour bien payer l'enseignant. Parce que quand l'enseignant est bien payé, n'est-ce pas, il va se donner de lui-même. Il va se donner de lui-même. Il n'est pas normal que quelqu'un qui vient se sacrifier pour la jeunesse congolaise soit. S'il faut parler du ministre du tutelle, responsable de l'enseignement, un mot pour lui. Oui, nous demanderons. À son Excellence, Monsieur le ministre, de fournir beaucoup d'efforts pour la multiplication, par exemple, des écoles que nous avons dit. Il le fait déjà, mais qu'il continue à le faire. Deuxièmement, il doit militer en tant que ministre du tutelle pour ce que je viens de dire, que l'enseignant se retrouve dans des conditions d'équipe. Merci beaucoup. Merci beaucoup.